Et justement, avec la fin imminente du recours à ces agences privées dans les derniers mois, il y a des employés qui ont répondu à l'appel du ministre de la Santé et qui ont fait le saut du privé au public. Marie-Pierre, c'est le cas d'une infirmière que vous avez rencontrée. Oui, justement, c'est l'histoire de Gabrielle Simard qui a décidé de faire le changement du privé au public le mois dernier. Elle a décidé de prêter main forte au CHSLD de Saint-Casimir dans Portneuf, auquel elle travaillait déjà du côté privé. Mais elle a fait ce changement justement en raison de la politique du ministre de la Santé, Christian Dubé, la fin du recours aux agences, parce qu'elle voulait vraiment continuer à travailler sur place. Elle est tombée en amour avec son milieu de travail et l'accueil aussi qu'elle reçoit de la part des employés. Alors, actuelle, Gabrielle doit parcourir une heure de route chaque matin pour se rendre sur son lieu de travail et elle ne regrette pas sa décision. J'ai trouvé, mettons, comme mon âme sœur, mettons, mais au niveau de mon emploi, finalement, là. Fait que c'est assez que cet été, là, je déménage dans un village là, tout près de Saint-Casimir où je travaille. Ça va être à Saint-Hubert, c'est genre à 15 minutes. Fait que j'ai toujours habité en ville. Fait que ça va être comme un gros changement, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que l'emploi, on passe la majorité de notre temps, en fait, au travail. Fait que quand on peut se sentir qu'on fait partie d'une équipe et tout ça, ben je trouve que c'est vraiment important. Puis je regrette vraiment pas ma décision. Et Gabrielle Simard est un exemple parmi les 2400 employés à avoir fait le saut dans le réseau public au cours des trois derniers mois. Au CHSLD de la Capitale-Nationale, on travaille depuis longtemps à embaucher justement des employés des agences privées dans le réseau public. Jusqu'à maintenant, il y a environ 200 employés qui ont fait le transfert vers le CHSLD de la Capitale-Nationale. Plusieurs actuellement sont en processus de recrutement, mais il reste quand même du travail à faire. C'est sûr qu'on avait besoin et on a besoin de ces personnes-là pour donner des soins et services de qualité puis maintenir en vie nos missions dans toutes les directions. Le 20 octobre, l'utilisation, avoir le recours à la main-d'œuvre indépendante ne sera pas permis. Puis nous, bien, on est en voie pour l'atteindre. C'est pas toujours facile, mais on travaille très fort. Puis l'exemple qu'on voyait aujourd'hui avec Gabrielle nous dit que notre stratégie était la bonne, puis que d'avoir été audacieux, puis d'avoir misé sur l'aspect humain du recrutement pour ces ressources-là qui étaient importantes, bien, ça nous donne des résultats. Et bien évidemment, Marie-Ève, les conditions sont bien différentes, oui, entre le privé et le public. Mais l'histoire de Gabrielle nous montre qu'il est possible de s'épanouir malgré ces différences. Oui, espérons qu'elle inspirera d'autres infirmières à aller au public parce qu'on en aura bien besoin. Merci, Marie-Pierre. À plus tard.